Je viens d'arriver, je suis partie à la rive droite, j'ai trouvé que la banque est fermée. Quand je suis venue ici, là aussi je trouve tout un afflux. Apparemment c'est difficile. Je risque de passer toute une journée ici pour pouvoir toucher mon salaire. Je suis venu, ça fait à peu près 2 jours hein, qu'on a envoyé de l'argent à ma mère et puis bon, on n'arrive pas à récupérer l'argent. Actuellement, moi je suis venu à peu près une dizaine des agences, mais ils sont fermées. C'est bien occupé de correction. Il n'y a plus de correction ici à Niamey. Même pas à Niamey seulement, presque toutes les autres régions là-bas. C'est dit aux différentes manifestations, parce que le gouvernement actuel pense qu'il est bon. Et les réseaux sociaux sont en train de pousser quand même les gens. Moi je suis là depuis 6h30. Depuis 6h30, je n'ai pas été servi. On ne convient pas que c'est, comment est-ce qu'on appelle ça, il y a l'insécurité. On ne condamne pas la banque d'un seul coup, mais aujourd'hui, si dès les 24 heures, 48 heures, ça dépasse ces délais, mais c'est du chaos. Parce que tu as besoin de ton salaire pour aller travailler, pour aller nourrir ta famille. Tu dois aller travailler ou tu dois venir chercher ton salaire. Lequel tu dois faire? Ton salaire, il est bloqué. Comment tu dois faire?